Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. La sécurité sociale, un conquis social auquel le peuple français est particulièrement attaché. Au point qu'en 2018, le gouvernement avait rapidement reculé et renoncé à supprimer le terme de la Constitution. Le député La République En Marche, Olivier Véran, a fait adopter en catimini le 2 juillet dernier par la majorité de la commission des lois à l'Assemblée nationale, le retrait de toute référence à la sécurité sociale dans la Constitution. Alors, côté macroniste, on l'a bien compris, la sécu, c'est pas trop leur truc. Mais l'extrême droite, elle dit quoi dans ce domaine? On vous l'avait promis, la voilà. Aujourd'hui, on fait le point sur ce que propose le RN concernant la sécurité sociale. Mais avant ça, on vous invite à soutenir notre travail en mettant un pouce bleu sous cette vidéo, en la partageant autour de vous et en vous abonnant à la chaîne. Allez, on attaque. Quand on parle de sécu, ça concerne l'assurance maladie, mais aussi les retraites, le chômage ou encore les allocations familiales. Mis en place par le ministre communiste Ambroise Croizat à la Libération, le système repose sur un principe simple. Des cotisations issues du travail viennent financer des caisses de protection sociale qui couvrent les différents risques de la vie. Le système par répartition s'oppose donc aux principes libéraux de capitalisation. À la Sécu, pas de boursicotage avec notre argent. Pour en savoir plus, on vous renvoie à notre vidéo de février dernier. Pourquoi capitaliser quand on peut cotiser? Dans nos vies, la Sécu, c'est pas rien. Et en termes de masse financière aussi. Un tiers du PIB français transite par son intermédiaire. Autant de richesses qui ne passent pas directement dans les mains du capital. Il y a donc de quoi en déranger certains. Alors, on va voir ce que raconte l'extrême droite sur le sujet. Le pays est encore marqué par l'opposition à la réforme Macron, qui a porté l'âge de départ en retraite à 64 ans. En façade, Marine Le Pen s'est opposée à cette loi, laissant croire qu'elle était favorable à une revendication de longue date de la gauche, la retraite à 60 ans. Pourtant, la mesure ne figure plus dans le programme du RN depuis 2022. À la place, le respect des 42 annuités travaillées est placé au centre. Si vous commencez à travailler à 20 ans et que vous avez 3 ans d'interruption de carrière, vous partirez à la retraite à 65 ans. Faites vos calculs. Mais vous l'avez compris, le principe c'est du Macron autrement. On le disait, le financement de la Sécu repose sur des cotisations, indexées sur les salaires. Depuis des décennies, les gouvernements libéraux n'ont pas arrêté de raboter ces cotisations, en multipliant les exonérations au profit des entreprises. Eh bien, le programme de Marine Le Pen, c'est du libéralisme au carré. Comme Emmanuel Macron, elle propose de baisser les cotisations pour répartir les sommes entre patronat et salariés. Cette exonération de 200 euros sur les charges sociales pour les salaires inférieurs à 1,4 fois le SMIC, soit environ 1500 euros net par mois. Voilà l'arnaque des augmentations de salaire du RN. Augmenter un peu le salaire net en baissant beaucoup le salaire brut. De quoi faire boire le bouillon à tout notre système de protection sociale au profit des assurances privées. Regardez ! Oh ! Les clous là ! Oh ! Aidez-moi ! Emploi, pouvoir d'achat, sécurité sociale, tout le programme du RN repose ainsi sur la poursuite et l'amplification des mêmes recettes qui sont appliquées depuis des décennies. Pour masquer cet état de fait, le parti déploie un argumentaire unique, la faute aux étrangers. Et tant pis si la contribution nette de l'immigration aux comptes sociaux est positive. Autrement dit, si les travailleurs immigrés rapportent plus qu'ils ne coûtent à la Sécu. Les calculs sont pas bons, Kevin. En complément de cette vidéo, pour boucler cette séquence sur l'extrême droite, on vous conseille Main Brune sur la ville. Sorti en 2012, le documentaire réalisé par Bernard Richard s'intéresse à la pratique du pouvoir municipal lorsque l'extrême droite conquiert des mairies. Si ce travail serait à compléter avec les nouvelles expériences de mairie RN, il n'en reste pas moins que ce film est une référence à découvrir. Cet épisode est maintenant terminé. Avec ces deux vidéos, on avait l'ambition de vous donner une série d'arguments du tac au tac
pour démontrer que non, l'extrême droite n'est en rien une alternative sur le terrain social, mais au contraire que ce n'est que le prolongement des politiques de droite anti-monde du travail. Si vous voyez d'autres choses à aborder dans ce registre, faites-nous signe en commentaire. Merci d'avance et à très bientôt.